Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Lords of the Fallen. Et aujourd'hui on part sur le build ultime Radiance Érosion, qui est le build du juge clair. Vous allez voir, on va comboter notamment le sort du jugement d'Orgus avec cet œil ombralien qui va nous faire beaucoup de dégâts d'érosion lorsqu'on fait des attaques légères. Et vous allez voir, ça fait un taf de ouf. Évidemment, on va utiliser d'autres sorts qui vont avec. Et ça va vous permettre vraiment de vous occuper de tout type d'ennemis, que ce soit boss, élite ou alors vague de trash mob où il y a plein de mobs en face. Vous allez pouvoir tout gérer avec ce build. Vous allez pouvoir tout détruire et jouer assez safe. C'est un build très très stylé à jouer qui va marcher tout au long du jeu. J'ai fait toute la fin ombrale avec ce build là. Là vous me voyez m'occuper d'Elian qui est potentiellement le boss le plus difficile de ce jeu. Et je lui ai roulé dessus en deux essais assez facilement. On est sur un build niveau 130 à peu près, mais voilà, vous pouvez ajuster évidemment selon votre niveau. Je vais vous montrer toutes les stats et tous les détails du build. Vous allez voir, je vous garantis, il est exceptionnel. C'est parti. Juste avant de se lancer dans la vidéo, je vous présente le partenaire officiel de la chaîne, AOEA.com. C'est un site 100% sécurisé où vous allez pouvoir acheter toutes sortes d'items et de ressources pour Lords of the Fallen et également des gift cards pour toutes vos plateformes de jeux préférées. Vous avez 6% de réduction avec le code ROMSI et vous avez le lien dans la description. Alors c'est parti pour tous les détails de ce build. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez changer, notamment les armes. Alors, les armes ici, j'utilise les lances de la juge claire parce que voilà, j'aime beaucoup ce type d'armes. Et techniquement, elles sont un petit peu meilleures que les armes de Pieta parce qu'on a du S scaling en radiance et on a 100 de châtiment contre les armes de Pieta. Elles ont 90 en châtiment et du A ou A+, il me semble, en radiance. Donc celles-ci sont un petit peu meilleures. Si vous préférez utiliser les armes de Pieta, ça va être quand même très très efficace. Donc vous pouvez faire ça. Niveau du catalyseur, on utilise celui-ci, donc écriture de l'Inquisiteur. Donc c'est en faisant la quête de l'Inquisiteur, j'imagine c'est son nom. C'est le genre de mage qui est au repos astral, donc vous allez récupérer celui-là. Sinon, vous en utilisez un autre, il n'y a pas de souci. Niveau des sorts, et vous allez comprendre un petit peu la synergie avec l'œil ombralien. Alors niveau des sorts, j'utilise celui-là, lumière transparente. C'est vraiment si je veux tuer un petit mob à distance sur une plateforme et je veux pas que ça me coûte trop de mana, ben, je vais utiliser ça, c'est mon petit sort pas trop cher à distance. Ensuite, celui-ci, vous pouvez changer, mettre ce que vous voulez. Donc ici, c'est le petit Kamehameha ici, qui est très efficace également, qui peut one-shot pas mal de boss également. Donc celui-ci, moi, c'est parce que j'aime bien l'utiliser, mais c'est vous qui voyez. Le dernier ici, c'est l'aura de ténacité. Alors, bon, je ne l'ai pas trop utilisé, mais ça peut être pas mal si vous êtes sur un boss qui fait pas mal de dégâts et vous allez au corps à corps. Pourquoi pas mettre ça avant pour être sûr de pouvoir rester en vie tranquillement. Pareil, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez ici. Si vous préférez plutôt imbiber vos armes de radiance, vous pouvez utiliser ça comme l'autre sort qui va justement imbiber vos armes. Le sort le plus important qui est... Encore une fois, c'est pas absolument, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser absolument parce que ce build marche très bien sans. Mais là, la petite synergie, en fait, ça va être avec ce sort-là et derrière l'œil ombralien. Alors, je vais vous montrer l'œil ombralien, ça qui va être important et vous allez comprendre. Mais encore une fois, le build reste super efficace même sans ce sort. Hein. Avec toutes les autres choses qu'on va mettre en place, on peut le faire sans ce sort-là, mais... C'est vrai que ce sort aide pas mal. Alors, l'œil ombralien qu'on utilise, c'est celui-ci. C'est l'œil du pèlerin ensanglanté qui dit ici, les attaques légères infligent uniquement des dégâts d'érosion, mais infligent plus. Donc, en fait, c'est cette grosse barre blanche qui se remplit, qui détruit les PV de l'ennemi. Le problème ici, c'est que, en fait, pour détruire ce PV érodé lorsqu'il est blanc, nos attaques légères ne marchent plus. Ce qui veut dire que derrière, il faut faire une attaque. Peu importe ce que c'est, mais il faut d'une façon ou d'une autre toucher l'ennemi pour détruire ce PV érodé. Alors, je vais vous montrer un exemple juste ici pendant le combat d'Elian au ralenti et vous allez vraiment comprendre comment ça marche. Alors, regardez ici par exemple, en fait, on voit la réflexion d'Elian qui est complètement blanche, mais on n'a pas réussi à la tuer. Et là, je vais utiliser justement ce sort avec les éclairs qui va venir toucher le spectre d'Elian et le détruire directement. Donc c'est pour ça un petit peu ici la synergie. Bon, on peut utiliser un autre sort, encore une fois, on peut utiliser un coup de pied, vous l'avez vu au début,
sur le combat avec Pietà ou je la finis avec un Spartan Kick. Donc on a quand même pas mal d'options pour justement détruire cette vie érodée. Mais là, vous voyez que ça marche très très bien avec ce sort justement qu'on peut faire à distance, qui va en plus traquer l'ennemi, où justement on détruit cette vie érodée. Et derrière, c'est le sort qui vient juste toucher l'ennemi et ça détruit toute la vie directement. Hein. Donc ça, c'est pour vraiment la synergie avec ce sort Jugement d'Orius. Si vous ne voulez pas utiliser le Jugement d'Orius, vous pouvez faire le build de la même façon et ça va être quand même très très efficace. Le petit problème ici, c'est qu'il va falloir finir les ennemis ou en tout cas faire une attaque différente pour détruire cette vie érodée. Et la meilleure façon pour le faire, ça va être d'appliquer des debuffs. Encore une fois, vous pouvez lancer un objet, vous pouvez lancer un sort, vous pouvez mettre un coup de pied, vous pouvez mettre une attaque lourde, ça va marcher également. La deuxième façon la plus efficace, ça va être ici, vous voyez qu'on a 100 en debuff châtiment, ça va être d'appliquer ce debuff. Et lorsque ce debuff va toucher l'ennemi, eh bien ça va détruire toute cette vie érodée. Donc en fait, le combo ici, c'est vraiment, et c'est pour ça que limite ce build-là, je le trouve plus efficace. J'ai fait le même build sur du brasier avec les épées, avec les haches grimaçantes, et ça reste super efficace, mais je trouve que là, c'est un petit peu plus efficace parce que on a deux options vraiment bonnes pour détruire cette vie érodée, qui sont ici l'application du châtiment. Donc vous allez voir le lien avec les runes qu'on va utiliser, mais derrière également vraiment le jugement d'Orius qui voilà qui traque l'ennemi, ça fait des petits dégâts à droite à gauche, fait beaucoup de dégâts même à droite à gauche, et ça va complètement détruire cette vie érodée. Donc niveau des runes, c'est là que ça va être important également. J'ai sur les lances du juge Leclerc, donc j'en ai sur une des lances chacune, j'ai Orimon qui va tout simplement nous augmenter l'attribut de radiance. Donc ça va aider tous nos dégâts de radiance, notamment nos dégâts de sort. Et ensuite, par contre, j'ai que du Hollandi. Alors le Hollandi, pour le farmer, ça se passe dans l'abbaye. Vous allez voir, vous avez ce mob qu'on a battu au début en tant que mini-boss. C'est un des premiers mini-boss qu'on a battu d'ailleurs. Donc c'est cet ennemi qui a l'arme avec la chaîne et la boule au bout et qui vous fait des petits tourbillons là, de radiance et de saignement qui vous traquent. Donc il y en a plusieurs dans l'abbaye. Vous pouvez les farmer. Vous en trouvez une qui est pas loin d'un point de respawn où vous mettez une graine. Et vous pouvez farmer justement Hollandi qui accélère l'accumulation de châtiments. Et donc encore une fois, ça combine très bien ici avec le châtiment. Parce que le but, c'est encore une fois appliquer cette vie érodée sur l'ennemi très rapidement grâce à l'œil. Et derrière, la détruire. Ou grâce au châtiment qu'on a sur les armes si on est sur du corps à corps. Ou alors avec le jugement d'Orius, pardon, qu'on a balancé. Et qui va détruire tout simplement ce PV érodé. Niveau de l'armure, ben, pour le thème, on est parti sur l'armure du juge Claire. Bon, j'ai mis la tête ici de cette meuf-là parce que malheureusement, elle n'avait pas de casque. Mais voilà, ça fait partie un peu du skin. Et niveau des bijoux, c'est important. Alors, on a ici le pendentif de l'hystérie qui augmente la puissance des sorts. Donc, ça, c'est très intéressant. On a la racine du salve. Alors, celui-ci, il me semble qu'il augmente les dégâts de sorts de 20%. Mais par contre, il vous enlève ici un emplacement pour les sorts. Donc là, c'est à vous de voir, à vous de gérer selon le catalyseur que vous allez utiliser. Voilà, si vous utilisez un catalyseur qui n'a que deux sorts et que vous mettez cet anneau-là, vous n'avez plus qu'un sort, bah, c'est un peu galère quand même. Donc à vous de voir, essayez de mettre un catalyseur qui a au moins 4 ou 5 emplacements. Et après, vous en perdez un avec cet anneau-là. Si vous ne voulez pas mettre cet anneau-là, ce n'est pas grave. Vous pouvez mettre celui-ci qui va aussi augmenter la puissance des sorts, mais un petit peu moins. Mais au moins, il ne vous enlève pas d'emplacement de sort. Vous pouvez mettre deux comme ça, par exemple, et garder vos 5 emplacements de sort. Ou alors, après, vous pouvez mettre tout ce qui est anneau qui va vous augmenter les sorts de radiance. Ça va très bien marcher également. J'aime beaucoup également sur ce build-là, ce pendentif-là. J'ai un peu alterné, j'ai un peu testé les deux. Qui, tout simplement, les dégâts sacrés infligent des dégâts de posture supplémentaires. Donc, si vous aimez bien voilà, mettre l'ennemi à terre et lui faire une attaque critique avec. Lorsqu'il a le petit point rouge, potentiellement changer avec ça, ça peut être pas mal. Moi, j'ai bien aimé jouer avec ça également. Donc voilà, c'est tout pour les détails, les amis. Ce qui nous manque, c'est les stats, pardon. Donc on est ici sur un niveau 135. Encore une fois, si vous êtes niveau 60, ben, vous faites la même chose, mais avec moins de points. Tout ce qui nous intéresse, c'est endurance, vitalité et radiance. Encore une fois, le hard cap, c'est du 70-75. Donc 75 en radiance, il n'y a pas besoin de plus. Et après, vous mettez tout dans l'endurance et la vitalité, sachant que nos armes ici, elles vont scaler sur de la radiance. Et le catalyseur, pareil, c'est sur de la radiance. Donc c'est pour ça qu'on met tous nos points dans la
Radiance, évidemment. Donc voilà pour ce build, les amis. C'est tout pour. Je vous ai donné, je pense, tous les détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. À passer sur le Twitch. Je peux vous aider à construire vos builds, etc. Vous donner des items. Voilà, tout l'aide dont vous avez besoin. Encore une fois, si vous êtes en early game, ce build-là, vous pouvez. Alors, pas le faire forcément directement parce qu'il va vous manquer l'œil. Mais vous pouvez quand même utiliser les armes de Pieta qui vont très bien marcher également. Encore une fois, les lances sont un petit peu meilleures parce qu'elles ont meilleur scaling et elles ont également des dégâts physiques. Donc lorsque, contrairement aux épées de Pieta qui ont que des dégâts sacrés, donc lorsque vous avez des ennemis résistants au sacré, eh bien c'est pas mal ici d'avoir un petit peu de dégâts physiques derrière pour compenser. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le build vous a plu et que ça vous a aidé. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Lords of the Fallen. Ciao, ciao.